Father, we thank you because thus far you have led us in this workers' conference. Père, nous te remercions parce que tu as été avec nous depuis le début de cette conférence. We thank you for all that you have taught us in your love. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as enseigné dans ton amour. We praise you for our prayers that you have answered. Nous te bénissons pour nos prières que tu as exaucées. We praise your name because of all the ministers, the national overseers that you have used to contribute something definite into our lives. Nous te bénissons pour tout les serviteurs de Dieu que tu as utilisés pour nous bénir. We thank you because of all the fellowship, the interaction, the learning between one another. Nous te remercions pour la communion les uns avec les autres. We praise you for the deep principles from your word and the teachings, the doctrines you have exposed us to. Nous te remercions pour les enseignements de ta parole, toute la parole que tu nous as donnée. We pray that in our various countries that these things will be known to other people as well in Jesus' name. Amen. Nous demandons que toutes ces choses que nous venons d'apprendre dans nos différents pays, que nous arrivions à leur communiquer cela au nom de Jésus. We're praying that the work you have started within us and among the workers and in the church in our various countries will continue in Jesus' name. Amen. Nous demandons que l'œuvre que tu as commencée au-dedans de nous et au milieu de nous et dans notre pays soit progressée dans le nom de Jésus. As we round up now, we pray that you will still teach us in Jesus' name. Amen. Lorsque nous terminons maintenant, nous demandons que tu nous enseignes encore au nom de Jésus. Bless us mightily even now. Bénis-nous abondamment maintenant. In Jesus' name we pray. Au nom Amen. De Jésus, nous avons prié. We're grateful to God because He has brought us to the end of the workers' conference. Nous sommes reconnaissants au Seigneur parce qu'il nous a amenés à la fin de la conférence. And we're grateful to God too because He has granted us His Spirit so we can understand all that He has been bringing to our attention. Nous sommes encore reconnaissants au Seigneur par tout ce qu'il nous a enseigné par son esprit, tout ce qu'il nous a rappelé. We have had fellowship with one another. Nous avons eu communion les uns avec les autres. We have lived together and we have learned from one another. Nous avons vécu ensemble, nous avons appris les uns des autres. We have observed the lives of other people. Others have observed our lives as well. Nous avons observé la vie des autres et les autres aussi ont observé notre vie. And no doubt we have learned many, many things from the Word of God and from one another. Et sans doute nous avons appris beaucoup de choses des uns et des autres et aussi de la parole de Dieu. I believe that what we have learned will continue in our lives. Et je crois que ce que nous avons appris continuera dans nos vies. And as we go back to our various countries, et lorsque nous retournons dans nos pays différents, others will see the change that has come upon our lives. Les autres verront le changement de notre vie. Very briefly, what I want you to notice is in John chapter 15 verse 16. Et brièvement, ce que je vais partager avec vous se trouve dans Jean. What Jesus spoke about his own disciples. Le verset 16, où le Seigneur Jésus a parlé de ses propres disciples. And as he spoke about his own disciples, he's speaking about you and he's speaking about me. Et lorsqu'il parle de ses disciples, il parle de toi, il parle de moi. That the work we do for him will endure for eternity. Pour que le travail que nous faisons pour lui, ce travail demeure pour l'éternité. That will not just be a temporary type of work. Et qu'il ne soit pas un travail temporaire, that has effect and impact only for a short time, qui a son effet et son impact qui ne dure pas. But the work will endure. Mais pour que le travail dure. John chapter 15 verse 16. Jean chapitre 15 le verset 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. And ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit shall remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez de fruits, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. The concern of Jesus Christ is that the work will endure. Le souci du Seigneur Jésus est que le travail que nous ferons, que ce travail demeure. And he says, you have not chosen me, but I have chosen you. Et il dit, vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. He wants us to have confidence in him. Il veut que nous ayons confiance en lui. He wants us to understand that we are precious in his sight. Il veut que nous comprenions que nous sommes précieux à lui. And from each of the countries he himself has chosen us. Et dans les différents pays où il nous a choisis. And it's a purposeful choice. Et c'est un choix qui a un objectif. He chose us to do something definite and important in the kingdom of God. Il nous a choisi pour faire quelque chose qui est précis et qui est précise et qui est exact dans le royaume de Dieu. Every time discouragement comes into your heart. Et chaque fois que tu traverses le moment de découragement. Every time it appears the devil is telling you cannot do it. Et à chaque moment que le diable semble te dire tu ne pourras pas le faire. Or every time the devil tries to say that you are not worthy to do it. Ou lorsque le diable te dit tu n'es pas digne de faire cela. That you should not be working for God. Et que tu ne dois pas travailler pour le Seigneur. You should not be in a church like this. Et que tu ne dois pas être dans une église comme celle-ci. Understand, Christ said he has chosen you, not that you have chosen him. Il faut que tu comprennes que Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi et pas vous. And he never makes a mistake. Et Jésus ne fait jamais d'erreur. If he has called you, s'il t'a appelé, that's some purpose. Et c'est pour un objectif. If he has chosen you, s'il t'a choisi, that's some purpose. C'est pour un but. And he has called and chosen you for a particular purpose. And that purpose he will fulfill if you allow him. Il t'a choisi, t'a appelé pour un objectif précis et il l'accomplira. And then he says, I have ordained you. Il dit, je vous ai établi. We need to understand that every Christian worker has been chosen and ordained of God. Nous devons comprendre que tout ouvrier chrétien a été choisi et établi par Dieu. The work may appear small. Le travail peut paraître petit. Or the work may appear great. Ou le travail peut paraître grand. But God is involved. Mais Dieu est engagé. Christ is involved. Christ est engagé. The Holy Spirit is involved. Le Saint-Esprit est engagé. In the choice of every Christian worker. Dans le choix de tout ouvrier chrétien. You remember the case of Paul and Barnabas. Vous vous rappelez l'histoire de Paul et de Barnabas? Chosen by God. Choisi par Dieu. Ordained by God. Établi par Dieu. And then we're told in 1 Corinthians. On nous dit dans 1 Corinthiens. Chapter 12. Chapitre 12. Verse 18. Le verset 18. But now as God set members, every one of them in the body, as it has pleased him. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Members and workers. Les membres et les ouvriers. Have been set in the church as it has pleased God. Ont été placés dans l'église comme Dieu l'a voulu. Always remember that. Il faut à tout moment se rappeler de cela. When the devil comes to lie to you, lorsque le diable vient te mentir, that you are not needed in the work of the Lord. Que on n'a pas besoin de toi dans l'œuvre du Seigneur. That you have taken it upon yourself, but God is not taking any record or even recognizing your work in the church of God. Si le diable te dit que c'est toi-même qui as décidé de faire cela, tu n'as pas été appelé, Dieu ne t'a pas choisi et que tu ne peux pas faire ce travail. And when you remember that, you will not draw back. Sache-le que tu as été appelé par Dieu. Et tu sais que tu as été appelé par Dieu. You will determine in your country where you have come from that this work that God has chosen and selected you to do will prosper, will succeed. Et tu dois décider que le travail pour lequel Dieu t'a choisi, tu réussiras. So ye have not chosen me, but I have chosen you. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. And I have ordained you. Et je vous ai établi. Set you up, put you in the place where you are. Il t'a choisi, il t'a placé là où tu es. That means he'll keep you. Cela veut dire qu'il va te garder. From the promise of the Lord, he says that no one can pluck you out of his hand. Selon les promesses du Seigneur, il dit personne ne peut t'arracher de ses mains. And as long as you remain in agreement with Christ, aussi longtemps que tu es d'accord avec Christ, willing to fulfill the purpose of the choice, prêt à accomplir les objectifs de son choix. Then you remain on that work. Et tu demeureras dans ce travail. Now he tells us about the purpose. Il nous parle de l'objectif. The reason for the choice. Lequel est la raison pour le choix. That you should go and bring forth fruit. Pour que vous alliez et que vous portiez de fruits. Here is where you need to examine the work you are doing in the church. C'est là que tu dois examiner le travail que tu fais dans l'église. Are you bearing fruit? Est-ce que tu portes de fruits? Are converts coming in because of your involvement in the work? Est-ce que des convertis viennent à cause de ton engagement dans l'œuvre? Are those converts resembling Christ? Est-ce que ces convertis ressemblent à Christ? Are you reproducing the life of Christ in them? Est-ce que tu reproduis la vie de Christ en eux? Are you teaching them the word that Christ would have taught them if Christ was here? Est-ce que tu leur enseignes la parole que Christ devait les enseigner si Christ était ici? Are you actively bringing forth the expected fruit? Est-ce que tu apportes activement les fruits qu'il te faut? Because again, this is the purpose. Parce que encore c'est là le but. For which you have been chosen to participate in the work of the Lord. Le but pour lequel tu as été choisi pour participer dans l'œuvre du Seigneur. That you will go and bring forth fruit. Pour que tu ailles et que tu portes de fruits. And then it says that your fruit should remain. Et il dit pour que ton fruit, le fruit demeure. You must look at those converts you are bringing forth. Ces convertis que tu amènes, il faut les voir. Are they remaining on the word of God? Est-ce que ces convertis demeurent dans la parole de Dieu? Or are they slipping away? Ou ces convertis rechutent? They backsliding? Est-ce que ces convertis rechutent? And then it says that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Et dites-vous tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. The question is, how can we do the work that endures? La question est celle-ci, comment pouvons-nous faire un travail qui dure? In each of our countries where we have come from and where we're going back to. Dans chacun des pays d'où nous venons et où nous allons. We understand the choice of the Lord. Nous avons compris le choix du Seigneur. We understand He has placed us on the work. Nous savons qu'il nous a placés dans l'œuvre. How will the work endure? Comment le travail peut endurer, peut demeurer? What is it the Lord requires from you, requires from me? Qu'est-ce que le Seigneur exige de toi et de moi? That the work will endure. Pour que le travail dure. In Joshua chapter 1. Josué chapitre 1. Verse 8. Le verset 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, then thou shalt have good success. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. You must have a strong conviction on the word of God. Tu dois avoir une conviction puissante sur la parole de Dieu. Anybody who tries to minister the gospel, quiconque qui essaie de prêcher la parole, tries to plant churches, de planter des églises, tries to pastor a church, ou qui est pasteur d'une église, or tries to do Christian work, ou qui fait un travail chrétien, but does not have conviction on the unchanging word of the living God, he cannot do an enduring work. S'il n'a pas une conviction sur la parole infaillible et inchangeable de Dieu, il ne peut pas faire un travail qui dure. And so the word of God de Dieu must not depart out of your mouth. Ne doit pas quitter ta bouche. You must meditate on that word of God day and night. Tu dois méditer cette parole de Dieu jour et nuit. So that you will observe, you will obey. Pour que tu observes, pour que tu obéis. Everything in the word of God. Tout ce qui est dans la parole de Dieu. All that you have been taught since you have known Deeper Life Bible Church or Deeper Christian Life Ministry. Tout ce que on t'a enseigné depuis que tu as connu le ministère de la vie chrétienne profonde ou bien l'église biblique de la vie profonde. And all that you read from the word of God, the Bible. Et tout ce que tu lis dans la Bible, la parole de Dieu. You must have the strong conviction that God doesn't change, His word does not change. Tu dois avoir cette conviction que Dieu ne change pas et sa parole ne change pas non plus. If that conviction is not there, si cette conviction manque, that you just Preach the word today, preach another thing another day. Et que tu ne fais que soit aujourd'hui tu prêches la parole de Dieu, demain tu prêches autre chose. Believe something today, believe another thing another time. Tu crois quelque chose aujourd'hui, demain tu crois autre chose. You will not be able to do an enduring work. Tu ne pourras pas faire un travail qui dure. But if there is a strong conviction within you. Mais s'il y a une conviction puissante au-dedans de toi. That God says, I am God, I change not. Et que Dieu dit, je suis le Seigneur, je ne change pas. That means God doesn't change his mind. Cela veut dire que Dieu ne change pas sa pensée. God doesn't change his doctrines. Dieu ne change pas sa doctrine. God doesn't change his teaching. Dieu ne change pas son enseignement. God doesn't change anything he has given out to his own people. Dieu ne change rien qu'il a donné à son peuple. And you have that strong conviction. Et tu as cette conviction ferme. That when other religious people come, que lorsque les autres religions viennent, they say, we are changed. Et ils disent, nous sommes changés. Then you will know that is not of God. Et tu sauras que cela ne vient pas de Dieu. God is unchanging. Parce que Dieu est inchangeable. His word is unchanging. Sa parole est inchangeable. Repentance in the word of God remains ever the same. La repentance dans la parole de Dieu demeure le même. And if somebody comes to you, et si quelqu'un vient vers toi, and he says, I'm also of Deeper Life. Et il dit, moi aussi je suis du ministère de la vie profonde. We don't believe restitution anymore. Et il dit, mais maintenant nous ne croyons plus à l'enseignement de la restitution. God has not sent him to you. Tu sauras que Dieu ne l'a pas envoyé vers toi. Because God's demand on restitution will never change. Parce que la demande ou bien l'exigence de Dieu sur la restitution ne changera pas. If somebody comes to you, si quelqu'un vient vers toi, and he says that now Christians can smoke and drink. Et il te dit maintenant les chrétiens peuvent boire et fumer. That we thought before that Christians cannot smoke and drink. Et nous croyions avant que les chrétiens ne peuvent pas fumer ni boire. But now we are changed. Mais maintenant nous sommes changés. You know, God is not sending him. Sache-le que Dieu ne l'a pas envoyé. Because the word of God does not change. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Somebody comes to you, si quelqu'un vient vers toi, and he says, I saw an angel. Et il dit, j'ai vu un ange. The angel said, without holiness now, everybody can get to heaven. Et l'ange dit, sans la sanctification, maintenant, tout le monde peut aller au ciel. That the angel just told me that you are troubling yourself unnecessarily. Et que l'ange m'a dit que vous vous fatiguez pour rien. That God does not worry about holiness anymore. Et que Dieu ne se préoccupe plus de la sainteté. And that angel said, it's just coming from heaven this morning. Et cet ange te dit que lui, il vient du ciel and maintenant. God told him to come and tell you. Et Dieu l'a envoyé de venir te now, dire. Fornication, God doesn't mind now. Que Dieu ne considère plus la fornication ou l'impudicité. Adultery, polygamy, God doesn't mind anymore. La polygamie, Dieu ne compte plus cela. God has changed. Dieu est changé. Heaven has changed. Le ciel est changé. The Bible has changed. La Bible est changée. Doctrine has changed. La doctrine est changée. Don't believe it. Il ne faut pas croire à cela. God remains the same. Dieu demeure le même. The word of God remains the same. La parole de Dieu demeure la même. At the beginning. Au commencement. And right now. Et maintenant. Until the end. Jusqu'à la fin. Without holiness, sans la sainteté, no man shall see the Lord. Personne ne verra le Seigneur. Have a strong conviction. Il faut que tu aies une conviction ferme. Word of God. Sur la parole de Dieu. That's how your work will endure. Comme cela que ton travail demeurera. Si tu es converti, if they see you changing, s'ils te voient changer, smoking today, aujourd'hui tu fumes, not smoking another time, et d'autres fois ils ne te voient pas fumer, not drinking before, tu ne buvais pas avant, not going to drink alcohol, mais maintenant tu prends de l'alcool, and you're all the time changing, et tu changes, tu ne fais que changer. You believe restitution before, avant tu croyais à la restitution, but you don't believe restitution now, mais maintenant tu ne crois plus à la restitution. In the past, the word of God was sufficient for you. Dans le passé, la parole de Dieu était suffisante pour toi. But now is the word of God and another thing. Maintenant, c'est la parole de Dieu et autre chose. That somebody begins to prophesy. Et quelqu'un commence à prophétiser. Hear the word of God, Deeper Life. Écoutez la parole de Dieu, ministère de la vie profonde. It is going to rain at 4 o'clock tonight. Il va pleuvoir à 4 du matin. Anybody that rain touches will die. Et quiconque cette pluie touchera mourra. So Deeper Life, my children, thus says the Lord. Alors, ministère de la vie profonde, mes enfants, ainsi par l'Éternel. Don't go out at 4 o'clock today. Ne sortez pas à 4 du matin. Thus says the Lord. Ainsi par l'Éternel. You will marry Sister Mary. Toi, tu vas te marier à la sœur Marie. Thus says the Lord. Ainsi par l'Éternel. You will marry brother Joseph. Toi, tu te marieras à Joseph. And he wasn't doing like that before. Et on ne faisait pas cela avant. He has changed. Il est changer. The word of God doesn't change. La parole de Dieu ne change pas. The Bible doesn't change. La Bible ne change pas. And so if you are going to do an enduring work, alors pour faire un travail qui dure, remain on the word of God. Demeurez sur la parole de Dieu. Have a strong conviction on the word of God. Ayez une conviction ferme sur la parole de Dieu. These doctrines were written for you on this outline, pages 9 and 10. Cette doctrine que nous avons écrite sur la fiche que nous avons écrite, la page 9 et 10. Il faut les étudier et les comprendre. And know what the Bible says about these doctrines of the Bible. Et connaître ce que la Bible dit sur ces doctrines. Remember, souvenez-vous. All scripture is given by inspiration. Toute Écriture est inspirée de Dieu. And it is profitable for doctrine. Et profitable pour l'enseignement. Profitable for rebuke and for reproof and for correction. Profitable pour l'instruction, pour la correction. And for instruction in righteousness. Et pour l'instruction dans la justice. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Pour que l'homme de Dieu soit parfait et utile à toute bonne œuvre. How do you do the work that endures? Comment peux-tu faire un travail qui dure? The work that will last for eternity. Un travail qui durera jusqu'à l'éternité. Number one, premièrement, a strong conviction on the word of God. Ayez une conviction ferme sur la parole de Dieu. How then can we do? What more do we have to have in our lives to do enduring work? Que devons-nous encore avoir dans notre vie pour faire un travail qui dure? Have a strong commitment to the Lord Jesus Christ and to the Church of Jesus Christ. Tu dois être fortement engagé au Seigneur Jésus et à l'Église de Christ. Strong commitment to the Lord Jesus Christ. Tu dois être engagé au Seigneur Jésus. He said, I have chosen you. Il dit, je vous ai choisi. You have not chosen me. Vous ne m'avez pas choisi. But I have chosen you and ordained you. Mais moi, je vous ai choisi et vous ai établi. He died for you. Il est mort pour vous. He suffered for you. Il a souffert pour vous. He paid the price of your sin. Il a payé la rançon de vos péchés. He has brought you into the kingdom of God. Il t'a amené dans le royaume de Dieu. He has enriched your life with the riches of His glory, of His kingdom. Il a enrichi ta vie par les richesses de sa gloire, de son royaume. He is praying for you right now. Il prie pour toi maintenant. He has gone to prepare a place for you in heaven. Il est allé préparer une place pour toi au ciel. He is coming back for you. Il reviendra pour te prendre. Our Savior and Lord who has done so much for you and He's still doing so much for you. You must have real commitment unto the Lord Jesus Christ. Notre Seigneur Sauveur qui a fait tant pour toi maintenant et qui continue de faire tant pour toi, tu dois être fortement engagé à lui. You must love Him. Tu dois l'aimer. Exalt Him. Tu dois l'exalter. Honor Him. Tu dois l'honorer. And obey Him in all things. Tu dois lui obéir en toutes choses. And you must be willing to sacrifice. Et tu dois être prêt à faire du sacrifice. Sacrifice for Him. À faire du sacrifice pour le Seigneur. If there is something in your life that He doesn't want, s'il y a quelque chose dans ta vie qu'il n'aime pas, at the very moment that He tells you, au moment où il te dit, through our national overseers, à travers nos responsables nationaux, through your pastor, à travers ton pasteur, through your leader in your country, à travers ton responsable dans ton pays, immediately the Lord Jesus sends a message to you through our leaders. Immédiatement le Seigneur t'envoie un message à travers les responsables. Commitment to the Lord Jesus Christ will make you to want to obey Him and obey those leaders promptly. L'engagement au Seigneur Jésus t'exigera à lui obéir et à obéir à ses responsables promptement. In John chapter 14, Jean chapitre 14, verse 15, le verset 15. If ye love me, keep my commandments. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. If you love God, si vous aimez Dieu. Now, your parents may want you to do something else. Tes parents peuvent te demander de faire quelque chose d'autre. Your boss in the place of work may want you to do something different. Ton responsable dans ton lieu de travail te demanderait que tu fasses quelque chose de différent. But if you are going to do an enduring work, mais pour faire un travail qui dure, remembering that Jesus said, "Without me, you can do nothing." Sachez que le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. If you are going to do an enduring work, si tu dois faire un travail qui dure, there must be that intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Il faut qu'il y ait cette relation intime avec le Seigneur Jésus. How can you be intimate with Christ? Comment peux-tu être intime au Seigneur Jésus? By being completely committed to the Lord Jesus Christ. C'est pour être totalement engagé au Seigneur Jésus. If ye love me, keep my commandments. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. And so, as you are looking at how to do an enduring work, alors lorsque vous considérez comment faire un travail qui dure, how your work will be rewarded in eternity, comment ton travail sera rémunéré à l'éternité, you must know that you must have a strong commitment. Tu dois savoir que tu dois avoir un engagement to the fort Lord Jesus Christ, au Seigneur Jésus-Christ, and to the church of God. Et à l'église de Dieu. In Matthew chapter 10, Matthieu chapitre 10, verse 40, le verset 40. He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. Celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Some people say, if I can see Jesus Christ today, il y en a qui disent, si je peux voir le Seigneur Jésus aujourd'hui, everything he tells me, I will obey. Tout ce qu'il me dira, je le ferai. If I can see Jesus Christ today, si je peux voir le Seigneur Jésus aujourd'hui, every sermon he preaches, I will pray and I will act on the sermon. Tout sermon qu'il prêchera, je prierai et j'agirai selon ce sermon, cette prédication. Jesus said, I have sent my national overseers to you. Et Jésus dit, je vous envoie mes responsables nationaux. I chose them as I chose you. Je les ai choisis comme je vous ai choisis. Send those pastors to you. Je vous envoie ces pasteurs. The pastors that are teaching the whole counsel of God. Des pasteurs qui enseignent la totalité du conseil de Dieu. That even if I come today, que même si je viens aujourd'hui, I will not say anything much more than what they have said. Je ne dirai pas plus qu'ils vous ont dit. Oh, you'll be surprised. Tu seras étonné. Oh, you say Jesus comes here today. Et tu dis, si Jésus venait ici aujourd'hui, oh, his preaching will be different. Sa prédication sera différente. He will use big words. Il emploiera un vocabulaire qu'on ne comprendra pas. Non. If Jesus came here to preach this morning, si Jésus vient ce matin prêcher, how will he preach? Comment il prêchera? He will preach simple message. Il donnera des messages simples. What will he use? Quels mots il va utiliser? The words he used when he was on earth. Les paroles qu'il a déjà utilisées lorsqu'il était ici. Repent and believe ye the gospel. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Ye are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. Ye are the salt of the earth. Vous êtes le sel de la terre. If you bring your gift to the altar, si vous envoyez votre offrande à l'autel, et tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, leave your gift on the altar, laisse ton offrande, and go and reconcile with him, va te réconcilier avec lui, and come back, et reviens, and then offer your gift. Et maintenant, tu peux faire ton offrande. Be ye perfect, be ye holy, as your Father in heaven is holy and perfect. Soyez parfait, comme votre Père céleste est parfait. When you want to pray, si tu veux prier, close your door first. Ferme ta porte premièrement. Then pray to your Father which is in heaven. Et prie ton Père qui est dans les cieux. Ask and it shall be given you. Demande et il te sera donné. Seek and ye shall find. Cherchez, tu trouveras. Knock and it shall be opened unto you. Frappe et on t'ouvrira. As you want others to do unto you. Comme tu veux que les autres fassent pour toi, so do to them as well. Alors toi aussi tu dois faire de même pour eux. Don't condemn another person. Faut pas condamner l'autre personne. If somebody has offended you, si quelqu'un t'a offensé, 70 times 7 times. 70 fois 70. Forgive them. Pardonne-leur. Are you married? Es-tu marié? Stay with your wife. Demeure avec ta femme. Don't divorce your wife. Ne divorce pas ta femme. And marry another one again. Reprends une autre femme. Are you born again? Es-tu né de nouveau? Because I told Nicodemus. Parce que j'ai dit à Nicodème. Ye must be born again. Vous devez être né de nouveau. After you are born again, après ta conversion, then go and tell your friends at home. Va dire tes amis à la maison. Good things the Lord has done for you. Les bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie. When false prophets come across your way, lorsque les faux prophètes viennent sur ton chemin, beware of those false prophets. Gardez-vous de ces faux prophètes. Run away from them. Il faut les fuir. And obey the word I have taught you. Et obéis à la parole que je t'ai enseignée. That's the message of Jesus Christ. Voilà le message de Jésus. Jesus doesn't use big vocabulary. Jésus n'utilise pas un vocabulaire qu'on ne peut pas comprendre. He doesn't say according to Greek, according to Hebrew, according to Latin, according to German, according to Spanish. Jesus never says that. Jésus ne dit pas selon le grec, selon le latin, selon l'hébreu, selon l'anglais ou selon l'allemand. Jésus ne prêche pas comme cela. When you are invited into a place, si tu es invité quelque part, look for the lowest place to show humility and go and sit down there. That's the message of Jesus. Cherche ta place derrière pour montrer l'humilité. Message de Jésus. And if Jesus came here today, he'll be preaching to you simple messages. Et si Jésus venait ici aujourd'hui, il vous donnera des messages that will affect your life. Qui peut influencer ta vie. He's not going to be talking about hydrogen bomb and the moon, how far the moon is from the earth. It's not going to be talking science. Il ne va pas parler de la bombe hydrogène, du soleil, combien de fois le soleil est éloigné de la terre. Il ne va pas parler de la science. He's not going to be telling you the number of angels that are standing at all the rivers of life in heaven. Et il ne va pas te dire le nombre d'anges qu'on a dans le monde. He's not going to speculate how old Satan is now. Il ne va pas te dire quel est l'âge de Satan maintenant. Some people feel that if Jesus comes, certains croient que si Jésus vient, the message he will preach to them will be difficult messages. Les messages qu'ils donneront seront des messages difficiles. No, the message of Jesus is don't beat your wife. Le message de Jésus est que ne frappe pas ta femme. Don't get angry. Ne t'énerve pas. Don't fight. Ne faut pas te lutter. Don't steal. Ne faut pas voler. If you have stolen before, si tu as déjà volé. Return all those things. Restitue ce que tu as volé. Sent our national overseers and pastors to us to preach exactly what he will preach if he were here right now. Et il vous a envoyé les responsables nationaux pour vous envoyer et pour vous enseigner ce qu'il doit vous enseigner. And how can you do enduring work? Comment peux-tu faire un travail qui demeure? By obeying him, showing commitment to the Lord Jesus Christ. C'est en lui obéissant et en s'engageant au Seigneur Jésus. He that receiveth you receiveth me. Celui qui vous a reçu m'a reçu. Oh, some people say, only what I reject is national overseer. Et il y en a qui disent tout ce que je rejette c'est notre responsable national. Et cela veut dire également que tu rejettes Christ. Si tu le reçois, tu as reçu Christ. Si tu le rejettes, tu as rejeté Christ. C'est ce que Jésus m'a dit. Tu dis, moi je n'aime pas cette église-là parce qu'ils enseignent la sainteté. C'est le rejet de Christ. You are rejecting the words of Christ that he puts in the preacher's mouth. Tu rejettes la parole de Dieu que Christ a placée dans la bouche de ses prédicateurs. He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that has sent me. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. And so, commitment to the Lord means commitment in the church to listen to the word of God and obey the word of God. Alors l'engagement au Seigneur veut dire être engagé à l'église et écouter la parole de Dieu. That means that your life will be an open interpretation of the word of God. Cela veut dire que ta parole sera une interprétation ouverte de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 13. From verse 17. Du verset 17. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. If you have noticed us as we have been here, et si vous avez bien regardé lorsque nous sommes ici, and you are very, very vigilant, et tu es très, très vigilant, you will see that in the church here, vous verrez que dans l'église ici, like when you went to the town, you saw the central church, the headquarters church. Comme vous avez été en ville, l'église centrale, none of the workers in the church here will do anything except what the pastor of the church here will tell them this is what to do. Aucun des responsables ici ne fera quelque chose là-bas, sauf que moi je lui demande, ou bien le responsable supérieur lui demande de faire cela. When they come to the service, lorsqu'ils viennent à l'église, before the service begins, avant que le culte ne commence, they are quietly waiting for the beginning of the service. Et ils attendent silencieusement pour le commencement du Somebody culte. Will not say, why is the church quiet like this? Quelqu'un ne dira pas, mais pourquoi tout est silencieux? And he will start a chorus. Et il commence par chanter. And the pastor will say, why are you starting chorus? Et le pasteur dira, mais pourquoi toi tu commences par chanter un chœur? It's the spirit of God. C'est l'esprit de Dieu. That told me to start. Qui m'a demandé de commencer. And that spirit of God cannot go through the pastor he has appointed. Et cet esprit de Dieu ne peut pas passer par le pasteur qu'il a établi. Or another person will have another prayer meeting somewhere. Ou c'est quelqu'un qui a organiser sa réunion de prière quelque part. And then he will be teaching them what he has in mind, not what the Bible says. Et il commence par leur enseigner ce qu'il a en esprit, pas ce que la Bible dit. What's the matter with you? Why is this happening? Frère, pourquoi tu fais cela? A spirit of God. C'est l'esprit de Dieu. And his pastor says, no, don't do that. This is unruly. This is rebellion. Et le pasteur dit non, ne fais pas cela. Ça c'est la rébellion. No, that's what I will do. C'est ce que moi je ferai. That's the spirit of God. C'est l'esprit de Dieu. There will be confusion. Il y aura la confusion. Obey them that have the rule over you. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence. As pastors in the whole country, en tant que pasteur dans tout le pays, you have a national overseer. Vous avez un responsable national. You will be obedient to that national overseer. Vous devez être obéissant à ce responsable national. Mais si vous passez par derrière, and destroying the work of that national overseer, et vous détruisez le travail de ce responsable national, that you know better, montrant que tu connais plus. He has not chosen Christ. Christ has chosen him, ordained him to be the national overseer in that place. Ce responsable national n'a pas choisi Christ, c'est Christ qui l'a choisi et qui l'a établi à être responsable national dans ce pays. You have a pastor over the local church, et si tu as un pasteur sur l'église locale à laquelle tu appartiens, you will never do an enduring work by being disobedient against that pastor in that local church. Tu ne feras pas un travail qui dure si tu es désobéissant à ce pasteur établi sur cette église locale. Obey them that have the rule over you. Obéissez à vos conducteurs. Not somebody who puts himself over you. C'est pas quelqu'un qui s'est donné lui-même à vous diriger. In the church of God. Il y a de l'ordre dans l'église de Dieu. All these our national overseers. Tous ces responsables nationaux. Even after they felt the call of God. Même quand ils sont convaincus de l'appel de Dieu. They waited until their own leader in Nigeria here said, now this is the country to go. Ils ont attendu patiemment jusqu'à ce que leur responsable ici dit, bon voilà, tel pays, tu dois aller. If you have been watching us since we were here, et si vous nous regardiez depuis que nous sommes ici, if I sent any of the workers who are around me here, et si j'envoie l'un des ouvriers qui est à côté de moi, and là-bas, I say, go and call all the national overseers, et je dis, va appeler tous les responsables nationaux. Immediately they come. Immédiatement, ils se présentent. Don't say to him, I am talking to people in our country. Go and tell him that I have no time now. Ils ne disent pas, va dire au surintendant général que je parle présentement avec les ouvriers que j'ai envoyés. We should learn from their examples. Nous devons apprendre de leurs exemples. And then, whenever we are here, et chaque fois que nous sommes ici, and sometimes everything is quiet. Et des fois tout est silencieux. And because I am the leader over every one of them and over every one of you. Parce que je suis leur responsable et votre responsable. If they want to know what is the next thing to do, s'ils voulaient savoir ce qu'il faut faire prochainement, they will come to me and they will say, what are we going to do next? Ils viennent me voir et demandent, que devons-nous faire maintenant? They will not say, we are national overseers. Ils ne disent pas, nous sommes des responsables and nationaux. And we hold workers' conference in our own country too. Et même dans nos pays, nous organisons des conférences. And then one of them will just stand up here and do whatever he likes. Et puis l'un d'entre eux se lève et puis il fait ce qu'il veut. And then if I came and said, ah, brother, what is it? Et quand je viens, je dis, mes frères, qu'est-ce que I am national overseer. Je suis responsable national. They never do that. Ils ne font pas cela. And if they never do that, you should never do that in your own country. Et s'ils ne font pas cela, vous aussi, vous ne devez pas faire cela dans votre pays. Give honor to whom honor is due. Donnez l'honneur à celui-là à qui l'honneur est dû. Now, you will not usurp the position of a policeman in your own country. Vous ne pouvez pas usurper la position d'un policier dans votre pays. You have chiefs in your own community, in your tribes. Vous avez des chefs de village. Now, you will not usurp the position of a chief in your own country, in your tribe. Tu ne vas pas usurper, c'est-à-dire tu ne vas pas prendre la place d'un chef de village dans ton village. If you usurp the position of a chief in your own country, si vous usurpez la position d'un policier dans votre pays, what is wrong with you? On va t'appeler, dis mais qu'est-ce qu'il y a? I'm a Christian. Tu dis je suis chrétien. I'm a king, I'm priest in the kingdom of God. Je suis roi, je suis prince dans le royaume de Dieu. They say yes, that's kingdom of God, but this one is our tribe. Ils vont te dire ça, c'est le royaume de Dieu. Ici là, c'est notre tribu. Et c'est celui-là que nous considérons comme chef. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux. If you do, your work will not endure. Si tu fais cela, ton travail ne va pas durer. You can jump up and down. Tu peux sauter, tomber par terre. Say, I am an evangelist. Pour dire je suis un évangéliste. And without any consultation with the national overseer. Et sans consulter le responsable national. You go around preaching whatever you like. Et tu te promènes pour prêcher tout ce que tu veux. You watch the people that do it like that. Et il faut voir la vie, il faut voir ceux qui le font comme cela. After a few years, everything is scattered. Après quelques années, tout est dispersé. The work does not remain. It does not stand. Ce travail ne demeure pas. Elle ne dure pas. How many of us are interested in planting a seed that will grow, but there will be no fruit on it? Combien d'entre nous sera intéressé de planter un fruit, ce fruit grandit et ne porte pas de fruit? Why should I waste all my evenings, every evening, planting pawpaw tree at the back of the yard, and then it will never bring out pawpaw fruit? Comment est-ce que je dois m'intéresser à me lever chaque matin ou soir pour planter un arbre de papaye et je vois que ce papaye ne porte pas de fruits? If we're going to do any work, let it be work that will endure. Si nous devons faire un travail, il faut que ça soit un travail qui dure. And if it is going to endure, there must be commitment to the Lord Jesus Christ and to the Church of Jesus Christ. Et si ce travail doit durer, il faut qu'il y ait un engagement au Seigneur Jésus et un engagement them that à sa parole. The rule over you. Obéissez à vos conducteurs. And submit yourselves. Et ayez-vous de la dévérance. For they watch for your souls, a day that must give account. Car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre that compte. They may do it with joy and not with grief. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie for et non en gémissant. Unprofitable for you. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. In Nigeria here, au Nigeria ici, many years ago, plusieurs années de cela, there were some of our workers. Il y avait certains de nos ouvriers, very small in number. Ils étaient peu en nombre. And they came to me. Ils sont venus me voir. They said we're too slow. Ils disent nous sommes trop lents. That we must grow. Nous devons grandir. I said yes, I'm also praying. Et je dis oui, moi aussi je prie. And we're getting prepared. We're going to grow. Et nous nous préparons et nous allons grandir. They said no, now. Ils disent non, ils ont dit non. We must grow. Nous devons grandir maintenant. We must have house fellowship. Nous devons commencer le service de maison. Nous devons organiser la réunion de prière. Nous devons veiller à la prière. Nous devons aller partout évangéliser. We have a large church. Nous devons avoir une grande église. We're just 3,000. Mais nous ne sommes que 3,000. Nous pouvons devenir 10,000. I said yes. Let us take it slowly. J'ai dit oui, mais allons lentement. That by the grace of God we are going to grow. Et par la grâce du Seigneur, nous allons grandir. They said I was too slow. Ils m'ont dit que moi je suis trop lent. One or two now. Et je me souviens de quelques-uns maintenant. They ran away. Ils ont pris la fuite. They started preaching here and there. Et ils ont commencé par prêcher ici là. They said we're too slow. Ils disaient que nous ici nous sommes trop lents. Eventually now. Maintenant finalement. I hear stories about them. Et j'entends des histoires des histoires. What they went to do, everything has scattered. Et tout ce qu'ils sont partis faire, tout est éparpillé. They cannot lay hand on 10 people and say these are the converts. Ils ne peuvent pas mettre la main sur 10 convertis pour dire voici no conversion. The one they ran away from and said it is too slow. Did you see the church on Sunday when you went? They said that one is too slow. Ceux qu'ils ont abandonné, disant que c'est trop lent pour nous. Vous étiez à l'église le dimanche. Est-ce que c'est un travail qui est lent ça? One of them that left many years ago. L'un d'entre eux qui a quitté il y a des années de cela. And I talked to him. Je lui ai parlé. And I said, look, stay here. Et je lui ai dit, mais il faut que tu t'assoies ici. Let us do this in a step at a time. Faisons ce travail pas à pas. Oh, he said, no, my tribe is perishing. Il dit, non, chez moi, mon village, mes gens périssent. Because it's from another state, it's not from Lagos State. Parce qu'il vient d'une autre province ou bien. He said, I want to go and reach them. Et il dit, moi je vais aller chez moi et prêcher. We have sent a state overseer in that place, work under him. Et je lui ai dit, nous avons envoyé un responsable là-bas, il faut travailler avec lui. No, that state overseer is too slow for me. Il dit, oh, le responsable que vous avez envoyé, il est trop lent pour moi. What do you want to do? Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? He said, I want to reach the students, I want to reach the adults, I want to reach these people, I want to really preach the gospel. Il dit, je vais évangéliser les élèves, je vais évangéliser les adultes, je vais vraiment prêcher l'évangile à tout le monde. I said, my brother, I called his name. Et j'ai dit, mon frère, je l'ai appelé par son nom. I said, take it cool. Je dis, il faut aller lentement. That God will use every one of us. Dieu va utiliser chacun de nous. He said, no, the way I'm talking that I don't understand. Il dit, mais on dirait que tu ne me comprends pas. He understood more than I did. Il a compris plus que moi. And he went away. Il est parti. He went away now for more than 6 or 7 years. Il est parti, ça fait maintenant 6 à 7 ans maintenant. And he came to see me some time ago. Et il y a quelques semaines de cela, 2 jours de cela. When I saw him, il est venu me voir. I said, evangelist, how are you? Et quand je l'ai vu, je dis, l'évangéliste, comment vas-tu? He shook his head. Il a secoué la tête. He said, what happened to you? Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? He said that I'm almost backsliding. Il dit, faut dire que je suis maintenant rétrograde. I said no. Et j'ai dit non. But you're on fire for God. Mais tu as le zèle pour le Seigneur. We slow people, we are not backsliding. How can you fast person backslide? Nous qui sommes là, nous ne sommes pas rétrogradés. Comment toi qui est dans le feu, qui a le zèle, tu peux rétrograder? We who are sluggish and quietly going on slowly, we are not backsliding. You dynamic person, evangelist, how can you backslide? Nous qui allons tout doucement, lentement, nous ne sommes pas rétrogradés. Toi qui es des évangélistes dynamiques, comment tu peux te rétrograder? He said that if it is not because people knew his name as the founder of a separate group, he would have gone long ago. Il dit, si ce n'était pas parce que les gens me connaissaient en tant que fondateur d'un autre groupe, vraiment j'allais très longtemps parti dans le monde. And then when he wanted to go, lorsqu'il voulait partir, he said, excuse me, sir. Il a dit, s'il vous plaît, I need little amount of money. Je veux que vous me donniez un peu d'argent. I said, you great evangelist and pastor. Et je dis, mais toi, un grand évangéliste, pasteur comme toi, church. Et ta grande église. We were slow. Look at the church. Et nous qui étions lents. Regarde votre église. Mais vous qui êtes ton église, une grande église, est-ce que ta tribu ne peut pas t'aider? He said, they are not many. Il dit qu'ils ne sont pas nombreux. I said, how many are they? Et je dis, vous êtes au nombre de combien? About 5 market women and about 30 primary school children. Il a dit quelques femmes, quelques vendeuses du marché, quelques 5 élèves, des écoliers de l'école primaire. After more than 6 years, plus de 6 ans, 6 ans. I said, my brother, I told you that time. Et je dis, mon frère, ce temps-là, je t'avais dit. You said we're too slow. Tu m'as dit que moi, nous sommes trop lents. And you ran away. Et tu as pris la fuite. Oh, he said it is not like I thought, that it is not easy. Et il m'a dit, ah, je ne savais pas que c'était comme cela, c'est pas facile. And you watch those who run away like that. Et voyez la vie de ceux qui ont pris la fuite comme cela. The national overseer is too slow for them. Oh, le responsable national est trop lent pour eux. The provincial state overseer or district pastor is too slow for them. Soit le pasteur du district ou bien celui qui est responsable des provinces est trop lent pour eux. The zonal leader is too slow for them. Le responsable de zone est trop lent pour eux. The area leader is too slow for them. Le responsable de secteur est trop lent pour eux. They're going to win the whole country to the Lord in only 1 year. Et dans un an, ils sont prêts à gagner tout le pays au Seigneur. Don't run after them. Faut pas les suivre. They will run back. Ils vont courir. Not only that. Pas seulement cela. Not only that. Pas seulement cela. Those who are men around them. Ceux qui sont autour des hommes autour d'eux. And they have not got married. Et qui ne se sont pas encore mariés. And they have gone away. Et qui ont pris la fuite. And they are talking about we're going to preach, we're not going to preach. Et qui disent nous allons prêcher, nous allons prêcher. Now listen to your pastor here. Écoutez votre pasteur ici. You will hear stories about them. Vous recevrez leurs nouvelles. All those girls that are following after them. Toutes ces filles là qui les suivent. Because now they are the all in all. Maintenant ils sont tout en tout. They are the world overseer of their new church. Ils sont les responsables universels. Talk at night now. Nobody can talk. Et ces femmes peuvent les fréquenter à minuit, personne ne parlera. Because now they are the all in all. Parce que ils sont maintenant le tout. You will hear stories about. Vous recevrez des nouvelles. It's not the work of God. Et ça, c'est pas le travail de Dieu. It is that they want to be out of control. C'est parce qu'ils ne voulaient pas être sous contrôle. That's why we should be very, very careful. C'est pourquoi nous devons faire attention. There must be commitment to leadership in the church. Il faut qu'il y ait la soumission aux responsables dans l'église. Those who are submissive to leadership in the church, they don't get into trouble. Ceux qui sont soumis aux responsables n'ont pas de problème. They don't get into immorality. Ils n'ont pas de problème avec l'immoralité. They don't get into any serious mistake that will make them to be driven away away from the kingdom of God. Ils n'ont pas de sérieux problèmes qui peut les renvoyer du royaume de Dieu. And eventually, when you hear stories about such people, et finalement, quand vous recevrez les nouvelles de ces gens, and all the people that they have gathered together, et tous ces gens qu'ils ont réunis, and they have been telling them that, oh, Deeper Life is too slow. Et ils leur racontent des histoires disant que le ministère de la vie est trop lent. We were there before. They are not spiritual. Nous étions là avant. Ils ne sont pas spirituels. When those girls and those men, when they begin to hear stories, they run back to Deeper Life. Et quand ces femmes et hommes commencent par recevoir des nouvelles, ils vont courir pour venir à la vie profonde. If you want your work to endure, alors si tu veux que ton travail dure, what we have discovered in Nigeria here, ce que nous avons découvert ici au Nigeria, and also in the Bible, et aussi dans la Bible, is that we are submissive to leadership. Est que nous sommes soumis aux responsables. And we have a lot of testimonies. Et nous avons beaucoup de témoignages. On those who are submissive to leadership. Et nous avons beaucoup de témoignages de ceux qui sont soumis aux responsables. Their work to be solid. Et le Seigneur aide leur travail pour être solide. And I pray for every one of you, your work will be solid in Jesus' name. Amen. Et c'est ma prière que votre travail soit solide dans le nom de Jésus. Now another thing. Autre chose. Now in Nigeria here, ici au Nigeria, we understand obedience to leadership in this way. Nous comprenons l'obéissance aux responsables dans ce sens. If the Christians here have any problem, si les chrétiens ici ont des problèmes, they write to their pastor here. Ils écrivent à leur pasteur. If they are not able to get to me directly in time, s'ils n'arrivent pas à me contacter le plus tôt que possible, they don't write to America. Ils n'écrivent pas aux États-Unis. Because Billy Graham is not their pastor. Parce que Billy Graham n'est pas leur pasteur. Billy Graham is an evangelist. Billy Graham est un évangéliste. An evangelist is to reach out to sinners. Et le travail de l'évangéliste est de gagner les pécheurs. Convert them on the crusade field. Et les convertir au cours d'une croisade. Once they are converted, une fois ils sont convertis, they are left with the church. On les laisse à l'église. That's where the work of an evangelist stops. Voilà là où s'arrête le travail de l'évangéliste. It is the pastor that continues with them. C'est le pasteur qui continue maintenant avec les convertis. Our people here, nos frères ici, they have pastors. Ils ont des pasteurs. And they don't try to evangelists. Et ils n'écrivent pas aux évangélistes. All over the world. Dans le monde. Saying we need this. Disant nous avons besoin we de need ceci. This. Nous avons besoin de cela. How can somebody here? Comment quelqu'un ici? Be writing for tracts on salvation. Peut écrire qu'on lui donne des traités sur le salut. When the tracts are here. Lorsque les traités sont somebody ici. Somebody begging for cassettes when the cassettes are here. Comment peux-tu demander des cassettes ailleurs lorsque les cassettes sont ici? The cassettes that you have here, if you sit down, you cannot listen to everything in one year if you are listening to just one every day. Les cassettes que nous avons ici, si tu t'assois pour écouter une cassette par jour, même dans un an, tu ne peux pas les écouter. Cassettes on all doctrines of the Bible. Des cassettes sur toutes les doctrines de la Bible. Cassettes on faith. Les cassettes sur la foi. Cassettes on marriage. Les cassettes sur le mariage. A lot of cassettes on many teachings of the Bible. Beaucoup de cassettes sur des enseignements de la Bible. How can somebody in a place like this deceive himself? Comment quelqu'un dans un tel endroit peut se tromper? And be writing somewhere, I want my church to grow. Et peut écrire ailleurs disant, je veux que mon église grandisse. Of Deeper Life. Je suis pasteur du ministère de la vie profonde. And I'm writing to you so that you can teach me how my church will grow. Et je t'écris pour que tu me montres comment mon église peut grandir. If you say you are from Deeper Life, si tu dis que tu es du ministère de la vie profonde, si la personne est sincère, he will write back to you. Il va t'écrire, il va te répondre. Say that your general superintendent of Deeper Life in Lagos. Il va dire, va voir le surintendant général à Lagos. We are writing to him to come and teach us in our country how our churches will grow, and you are under him. And you cannot get to him to teach you how the church will grow. You are writing to us. You are not serious. You are not sincere. Ils vont te dire, mais toi, nous écrivons à votre surintendant général qu'il vienne chez nous, nous enseigne comment nos églises peuvent grandir. Et toi, c'est toi qui nous écris pour qu'on t'enseigne. C'est l'évidence que tu n'es pas sérieux. Did you see the video on Saturday night? Is it Sunday night? On Sri Lanka. Est-ce que vous avez vu la vidéo sur la dernière fois à Sri Lanka? Now we had more than 60 countries there. Et il y avait plus de 60 pays wanting to learn about church growth. Qui voulaient apprendre comment leurs églises peuvent grandir. A number of them, they are still writing to us. Et plusieurs de ces pays m'écrivent encore. They want books, they want cassettes. Ils demandent des livres. They want me to come and teach them on how their churches will grow. Ils demandent des cassettes et ils veulent que je vienne leur enseigner comment leurs églises peuvent grandir. And then if a worker in Deeper Life, et puis un ouvrier dans le ministère de la vie, we write to people you have a church of 500. You're right to somebody having a church of 300 to come and teach you how your church will grow. Toi, tu as l'effectif de ton église est peut-être 500. Et tu écris maintenant à quelqu'un qui a une église de 300 personnes qui viennent t'apprendre comment ton église peut grandir. I don't know if you understand percentages. Je ne sais pas si vous comprenez le pourcentage. But in the whole of America, sur toute l'étendue de l'Amérique, 70% of all the churches are less than 300 in number. 70% de toutes les églises, leur effectif est en dessous de 300. Only 30% are more than 300 in number. Il y a seulement 30% qui ont un effectif de plus de 300 personnes. And you want to learn about church growth. Et tu veux apprendre comment ton église peut grandir. Here we don't write all about. Ici nous n'écrivons pas. And we don't beg. Et nous ne supplions pas, c'est-à-dire Deeper Life workers and Deeper Life members, they don't beg for money, they don't beg for literature, they don't beg for anything. Le ministère de la vie chrétienne profonde ne mendie pas l'argent, ne mendie pas les traités, ne mendie pas rien. How will your work endure? Comment ton travail peut durer? How will your work grow? Comment ton travail peut grandir? Commitment to Christ and to the leaders that are sent to your countries. Ton engagement à l'église et ton engagement aux responsables and qui a été envoyés dans ton pays. You don't hide your problems from your leaders. Tu ne dois pas cacher tes problèmes à ton responsable. When you have a problem in the church where they have sent you as national overseers. Tu as un problème dans l'église où on t'a envoyé. And you are hiding the problem. Et tu caches ton problème. Who will help you? Qui peut t'aider? If your leaders that are over you cannot know about your problems. Si tes responsables ne peuvent pas être au courant de tes problèmes. So that means you must have commitment to the Lord and to the church. Cela veut dire que tu dois être engagé au Seigneur et à l'église. Number 3. Le troisième point. How will we do enduring work? Comment pouvons-nous faire un travail qui dure? There should be companionship with believers in the church. Il faut qu'il y ait la compagnie, ou bien il faut qu'il y ait la fraternité entre les chrétiens qui sont dans l'église. Companionship with fellow believers. La communion avec les frères chrétiens. L'association, la communion avec les frères. With believers of like precious faith. Avec les chrétiens qui ont la même foi, la même précieuse foi. If you are too near the people that are not dedicated to the Lord, you'll be swept away from the Lord, and your work also will be swept away from the foundation. Si tu es trop près de ceux qui ne sont pas dédiés, consacrés au Seigneur, tôt ou tard, tu verras que tu seras séduit. Et ton travail aussi ne peut pas durer. In 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Verse 14. Le verset 14. Be not unequally yoked together with unbelievers. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. For what fellowship has righteousness with unrighteousness, and what communion has light with darkness? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? When you see a Christian worker trying to get married to an unbeliever, his work is going to perish. His life, if he's not careful, will also perish. Si tu vois un chrétien qui s'en va se marier à une païenne, son travail ne durera pas. Or when you find a believer, a preacher, ou si tu vois un prédicateur who is chrétien, teaching the word of God, qui enseigne la parole de Dieu, and yet he says he wants to get married, et il dit je vais me marier, and then he comes to national overseer, et il vient voir le responsable national, or comes to the pastor, ou vient voir le pasteur, and he says I've seen somebody I will marry, et il dit j'ai trouvé quelqu'un ou quelqu'un je veux me marier, in another place, ailleurs. Then okay, you say is that person a Christian? Et tu demandes est-ce que cette personne est chrétienne? Oh yeah, she is a believer. Et il dit oui, elle est chrétienne. And then you say okay, go and call. Et tu dis bon, va l'appeler. And then when you're all there, et lorsque vous êtes tous là, you see this lady that our pastor says he wants to go and marry. Et cette femme que ce bien-aimé dit qu'il va se marier. The hair has been burnt with iron. Et les cheveux sont brûlés par le feu. The jewelry is dangling up to the shoulder. Et les boucles d'oreilles qui pendent. The lips are all painted like the building. Les lèvres sont peintes comme le mur. The fingers are all colored. Et les ongles sont And then all that she wears inside, you can see everything through the outer dress. And you say, brother, this is the person you want to... Yes, it's the will of God. I pray very much. When you eventually marry this person, how will your work continue? An angel revealed her to me. And then you ask the person. You say, are you a Christian? And he says, yes. When did you become a Christian? My parents were Christians. I was born a Christian. Do you read Bible? I read Bible. Where did you read this morning? I read Revelation. Which chapter? Chapter 25. Le chapitre 25. And somebody who has read Revelation chapter 25. Quelqu'un qui a lu Apocalypse chapitre 25. He has read Bible. Elle a lu la Bible. Because she doesn't know that Revelation ends in chapter 22. Parce qu'elle ne sait pas que l'Apocalypse termine au chapitre 22. And you say, pastor, you have got a wife. Et tu dis, pasteur, vraiment tu as trouvé une femme. The work of that person cannot endure. Le travail de cette personne ne peut pas durer. Our companionship must be with people of like precious faith. Notre communion doit être avec ceux qui ont la même précieuse foi. Those who stand on the genuineness of the word of God. Ceux qui demeurent sur l'authenticité de la parole de Dieu. And I pray that every one of us will stand in Jesus' name. Amen. C'est ma prière que chacun de nous demeure au nom de Jésus. And the work we're doing will stand in Jesus' name. Et que le travail que nous faisons demeure au nom de Jésus. You will love the children of God. Vous devez aimer les enfants de Dieu. You will cooperate with the children of God. Vous devez coopérer avec les enfants de Dieu. You will be involved in the work of the Lord with the children of God. Vous devez vous engager dans l'œuvre de Dieu avec les enfants de Dieu. You will be in unity, fellowship and love with the people of God. Vous devez être un en communion. In unity there is strength. Dans l'unité il y a la force. That is how the work God has given us to do will endure. C'est comme ça l'œuvre que Dieu nous a confiée peut durer. Let's end up with Jude. Terminons avec Jude. Verse 3. Le verset 3. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Jude, le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude, verset 3. Now remember, souvenez-vous, there must be conviction on the unchanging word of God. Il faut qu'il y ait la conviction sur la parole inchangeable de Dieu. Commitment to Jesus Christ, the leaders are set in the church and the church as well. L'engagement à Jésus, l'engagement à l'Église, l'engagement aux responsables qui vous a envoyé. There must be companionship with fellow believers of like precious faith. Il faut qu'il y ait la communion entre les frères qui ont la même précieuse foi. And in your life and in your preaching. Et dans ta vie et dans ta prédication. Always earnestly contend for the faith once delivered unto the saints. Il faut toujours travailler, combattre pour la foi qui a été transmise au sein. On the last day, le dernier jour, our work will be tested with fire. Notre travail sera éprouvé par le feu. Those who have not done standing, serious, steady work for the Lord, their work will be burned. Ceux qui n'ont pas fait un travail solide pour le Seigneur, le travail sera brûlé. I pray that on such a day of judgment, et c'est ma prière qu'un tel jour de jugement, your work will remain. Ton travail demeure. Your work will not be burned. Ton travail ne soit pas brûlé. And you'll get into the kingdom of God with a lot of steady, stable, developed converts in Jesus' name. Amen. est que tu arrives dans le royaume de Dieu avec des chrétiens stables au nom de Jésus. In Nigeria here we have seen marvelous growth. Au Nigeria ici, nous avons connu une croissance merveilleuse. We have a lot of churches that are more than 3,000, 4,000, 5,000. Nous avons plusieurs de nos églises qui sont plus de 3,000, 4,000, 5,000. We have many that are more than 1,000. Nous avons plusieurs qui sont au-delà de 1,000. Many that are more than 500. Plusieurs qui sont au-delà de 500. And we have a lot of branches all over Nigeria. Nous avons plusieurs branches sur toute l'étendue du pays. I have enjoyed much cooperation with all our workers and pastors in the church in Nigeria here. J'ai beaucoup joui la coopération de mes pasteurs et de mes ouvriers ici au Nigeria. Very, very few in all these years have been like the person I told you about that says, let's do it now, 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 now. Et il y a peu qui sont comme celui-là dont je vous ai parlé, qui disait que nous sommes trop lents. Lui, il veut qu'on soit beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup de coopération, d'unité dans l'église ici au Nigeria. Et c'est ce qui a développé l'église que vous avez vue ici à Lagos. Et dans peu d'années, voyez ce que le Seigneur a fait. I believe that in your own countries too. Je crois que dans vos pays respectifs aussi, si vous allez vous coopérer avec les responsables nationaux et faites tout possible, don't look at them as Nigerians and you, Ghanaians or Togolese or Cameroonian, but look at them as people that were bought by the same blood of Jesus Christ. Faut pas les considérer comme toi Nigérien ou bien eux Nigériens, toi Ghanéen ou Togolais. Faut les considérer et toi comme des gens que Jésus a rachetés par son sang. Accept them completely as real leaders over you and over everybody. Il faut les accepter comme des responsables que le Seigneur a établis sur toi et sur tout le monde. And influence all the other people around you to accept their leadership. Et il faut influencer tous ceux qui sont autour de toi pour accepter ton responsable. And let us see the same unity we have seen in Nigeria in your countries as well. Qu'il y ait la même unité que nous avons ici dans vos pays aussi. The same love, the same obedience, the same fellowship. Le même amour, la même obéissance et la même communion. I believe. Je crois. What you have seen in Nigeria. Ce que vous avez vu au Nigeria. God can do it in your own country. Dieu peut le faire dans vos pays aussi. I believe God will do it. Je crois que Dieu le fera. I believe that the church will grow. Je crois que l'église grandira. And the work will endure. Et le travail demeurera. As you go, lorsque vous partez, remember all we have learned here. Souvenez-vous tout ce qu'on a appris. We are one body. Nous sommes un seul corps. All of us in Nigeria. Nous tous ici au Nigeria. All of you from different countries. Et vous tous de ces différents pays. It is just the same doctrine. C'est la même doctrine. It's the same Lord. C'est le même Seigneur. It's the same body. C'est le même corps. What is happening here, it should be happening in your country. Ce qui se passe ici doit se passer dans vos pays. If anybody from Nigeria comes to worship in your own country in Deeper Life. Si quelqu'un vient du Nigeria pour faire le culte dans vos pays. The person will say, why everything is just the same. Il faut que la personne arrive à dire, mais tout est le même. I feel as if I'm in Lagos. Et je me sens comme si je suis à Lagos. The music is the same. La musique la même. The life is the same. La vie la même. The dedication is the same. La dédication le même. Obedience to leadership is the same. L'obéissance aux responsables le même. Our marriage the same. Notre mariage le même. And our control of the family the same. Notre contrôle de la famille le même. The love among the brethren, everything the same. L'amour parmi les frères, le même. Then we will know that God has really used every one of us to bring a united church in those countries. Alors nous saurons que Dieu a utilisé chacun de nous pour former une église unie dans chacun de ces pays. I believe it will happen that way. Et je crois que c'est ce qui arrivera. And if you have been disobedient before, et si tu étais désobéissant avant, to your pastors, à tes pasteurs, or to the national overseers, ou responsable national, to say, Lord, I'm sorry. Ce que tu dois faire, tu diras au Seigneur, pardonne-moi. C'est parce que j'étais enfantin or immature, ou je n'étais pas mûr. Mais à partir de ce moment, je me dédie à toi. To have d'avoir conviction on the totality of the word of God, la conviction sur la totalité de la parole de Dieu, commitment to Christ and His servants and the church, l'engagement à Christ, à l'Église et le companionship to the people of God, la communion avec le peuple de Dieu. And where your national overseer Et lorsque votre responsable national a des difficultés, being able to send you to a particular place, pour pouvoir t'envoyer quelque part, because he feels that you are not trustworthy, parce qu'il le sent, il voit que tu n'es pas, tu manques la confiance. He doesn't know how you stand. Il ne sait pas comment est ta vie spirituelle. It's better to go to him. C'est mieux d'aller le voir. After this message, après ce message, that the Lord has touched your heart, que le Seigneur a touché ton cœur. My leader, I am sorry. Et tu dis, mon responsable, j'ai tort. I understand. Maintenant, je comprends. I was thinking that we're too slow. Je croyais qu'on était trop lent. I didn't know there are some people like me in Nigeria here also. Je ne savais pas qu'il y a des gens comme moi ici au Nigeria. I was planning to run away. Je planifiais de fuir. But I heard about that Nigerian that has 5 market women and 30 small children. Mais j'ai appris de ce Nigeria qui n'a que dans son assemblée 5 femmes de vendeuses de and I don't want to be like that. Et 30 enfants. Je ne veux pas être comme eux.